Eh bien, bonsoir, c'est Taco, c'est bienvenue aujourd'hui, on se retrouve sur The Driver San Francisco. Écoutez, je suis totalement crevée, parce que comme un fou, ça fait je sais pas combien d'épisodes que je tourne à la suite, même si je redémarre le jeu. Je comprends pas, pour quelle raison Jericho voulait trois camions pleins d'ammoniac? Le platine est un catalyseur. Si vous le combinez avec de l'ammoniac, et si vous êtes prudent, vous allez obtenir du cyanure d'hydrogène. Krog est mort, on n'a plus que deux pistes. Si on ne peut pas tracer le signal qui a fait sauter la voiture piégée, on n'a plus qu'à se rabattre sur notre ami Ordell Williams. Ordell Williams. Je veux seulement arrêter Jericho. C'est tout ce qui compte. Exactement. Alors, c'est bon les amis, j'ai résolu mon problème de disque dur. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette mission, parce que j'ai pas du tout envie de faire celle de police, parce qu'elle est un petit peu chiant. Ok, espèce d'enfoiré de merde. Ah oui. Ok, espèce d'enfoiré de merde. On est entre les deux états, comme tu l'avais demandé. On a fait tout ce que tu voulais. Maintenant, dis-nous où est ce foutu camion piégé. Vous, les flics, avec votre couverture, vous vous croyez tellement malin? Allez, regardez devant vous. Il y a deux camions. Bonne chance. Deux saloperies. Ah, il est incubé, je me souviens, on va devoir désamorcer je sais pas combien de camions à travers. Deux. Ce sale malade est un sale malade. T'inquiète, on a la bonne caisse pour ce job, basse et rapide. Mais on dirait que t'as déjà fait ça. Ouais, si on veut, alors accroche-toi. Et voilà, on va avoir à désamorcer je sais pas de combien de camions à travers. Wouah, tous les USA. Oh non, elle est déjà flinguée, je voulais la garder intacte. Attends, tant pis. Heureusement qu'on a une. Ok, voilà le truc. Je vais nous glisser sous chacune des deux remorques pour désamorcer les bombes. Tu vas faire quoi? Ça doit être eux, droit devant. Ouais, je les vois. Oh oui. Ok, on y va. Ça y est, je la vois. Stabilise la caisse. Wow, on a réussi. On a réussi. Va pas t'exciter trop vite. Il nous en reste encore une, tu sais. Et c'est pas fini. Là, c'est carrément du suicide, mec. Seulement si on meurt. Merde, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble et on n'a encore jamais fait un truc comme ça. Ouais, vous réjouissez pas trop vite. J'en ai 10 autres de plus comme ça qui se baladent en ville. Ah, putain. Bonne chance. Oh non, merde, c'est foutu! Non, pas encore, je connais quelqu'un qui peut nous aider, cramponne-toi! Allez! On va prendre de la hauteur et shifter très vite pour atteindre toutes les bombes avant qu'elles explosent. Ça va le faire. Elle est bien basse, ça devrait faire l'affaire. Il devrait être attaché, on va... Eh ben, c'est pas trop tôt! J'en avais marre d'être coincé derrière ce crétin! Allez! L'assurance paiera pour ça. Ça devrait merde. Être sur la route! Bon, où est la suivante? Là! Alors là, c'est leur faute! Allez, merci, Jackie! Pour empêcher toutes les bombes d'exploser, je vais devoir shifter très haut et agir vite. Oui, bah jusque-là, on a compris. Oh, qu'est-ce qu'elle fout là? Ça! Non, c'est pas bon! Ah, cette bagnole passera jamais sous un de ces gros camions. Ça! Headshot. Allez, ici maintenant. Et merde. Ça. Allez, c'est parti. Allez. Trop facile. Allez, c'est parti. Allez, vite. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Où est-ce que c'est ça? Ça, c'est bien. Merde, c'est de la merde. Une Impala, je peux vous faire. Jusque dans là, j'ai le choix. Hein? Allez, on va se mettre là-dessus. Putain. Vas-y, on va rester comme ça. Ah,
moi. On va faire la plus difficile pour la fin. Vas-y. Ouais, ça. Je sais même pas pourquoi je klaxonne. Mind-toi le train, John. Allez, on a 57 secondes pour celle-là. Par où on peut rentrer? Par là. Ok, je vais prendre ça. Ok, on va faire chauffer les soupapes. Vous ne ferez rien chauffer du tout. J'ai pas sacrifié ma vie à ce pays pour mourir dans un accident de voiture. C'est ça l'art de voir une foire Victoria. Apprends les bonnes manières. Pourquoi faire? Allez. Ah merde, c'est vrai qu'on passe pas. Hein? Alors on est obligé de rester comme ça. Oh, ouais, vous voyez. Vrai. Espérons que ce malade a pas laissé d'autres cadeaux du même style dans la ville. Non. Ah mais c'est reparti. Attends, elle a été courte cette mission. Allez, il nous reste ces médocs à flinguer. Puis on va voir ce que ça nous donne, cette infiltration avec Ordel. C'est pas vrai, Ron. Y a des types qui laissent des caisses de faux médicaments dans la rue. Ils sont autorisés, non? Et nous, on a une procédure à suivre. Ce qu'il nous faut, c'est un mandat. Et le temps qu'on en ait un, la CAM sera sûrement arrivée sur le marché. Procédure de merde! On est des flics, Ron. On devrait juste aller détruire cette saloperie. Dans une autre vie, mon pote. Allez. Bon, je vais rester en mode FPS, ça sera sympa. En fait, tu sais quoi? On va dire que c'est une autre vie. Si seulement. Hey, je déconne pas, on va prendre cette voiture et détruire pour des milliers de dollars de médicaments contrefaits. T'es sérieux? Et merde! J'ai pas envie de changer de vue pour aller voir si elle est abîmée. Oh, si elle est abîmée! Allez, juste pour les fun. Juste pour voir si je sais bien conduire un FPS, ce qui est normalement totalement faux. Deux décennies de poursuite en bagnole et c'est la première fois que je te vois faire ça. Et lui, je t'ai jamais vu autant t'éclater dans ton job en 10 ans de carrière. Ah putain. Ah putain. Déjà que cette course est pas facile. Alors en vue FPS, voilà, je me corse le travail. Je crois qu'on les a presque toutes. Il faut toutes les détruire. Allez. Oh là, je le sens mal. Ah, je crois que l'autre, je l'ai loupé derrière. Ah non, je l'ai eu quand même. Evelyn, je commence à me demander si on a bien fait de se lancer là-dedans. Faut pas réfléchir. Tu regretteras pas, crois-moi. Ah. Regarde, bon sang. Je vois rien, mais je vous assure, en VFPS, je vois strictement rien. Et voilà, c'est tellement stylé. Où est-ce que t'as... Après ça, j'ai fait les stages. Hey, c'est les dealers. Tout doux, Ron. On s'occupe de ces fumiers. Ah, oh, et puis merde, maintenant qu'on est là... Allez, on va shifter. À ces types, comment la police fait le boulot. Toujours en vue FPS, allez, on est drogué. Ah, ça fait rien. Bon, on va être obligé de... Ah là, il a pris cher fumier. Mince, c'est dans un mauvais sens. Là, ça. Ah voilà, un justicier qui sommeille dans chaque citoyen. Tu viens de dire quoi, là? Vas-y, ose nous répéter ça. T'as très bien entendu. Pas besoin de répéter. Allez, on va reprendre ça. C'est quoi ton nom, déjà? Gilberto. J'avais 8 ans, pour ce soir. Okay, allez! Gilberto, mets ta ceinture! Gars Gilberto. Oh, surprise, motherfucker! Oh, c'était beau! Et il n'y a plus que ça. En plus, le gars klaxonne parce que j'ai envie. Bon, allez!
Ouais, la super classe. Est-ce qu'elle est bien amochée? Oh oui. Allez, on continue le pari. Ah si, j'ai tout flingué là. Ah! Headshot. Je te laisse dire la suite. J'avais oublié pourquoi j'étais devenu flic au départ. Ça fouette le sang, pas vrai? Ouais, on peut dire ça. Précédemment, dans Driver San Francisco. Allez, vas-y! À très bientôt, tout à l'heure. C'est pas fini. À suivre, le platine et l'ammoniaque servent-ils à créer du cyanure? Tout de suite, un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. Williams roule pour le gang de Jericho. J'ai juste l'intention de l'utiliser. Une sorte d'infiltration? Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Du calme. On t'appellera très vite. Aha! Les amis. Ah! Tu viens d'écouter ce craquement de doigts luisant et chromé. Allez, vas-y. Vas-y, zoom, 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 zoom. Pétrifié. Tanner, t'as remarqué que... Tanner! Laisse tomber. Ok. Qu'est-ce qui est quoi? Allez, vas-y, cinématique. Tanner. Allô? Tu vois, il y a un truc que je comprends pas. Ah ouais? Eh ben, rajoute-le à la longue liste de choses que je comprends pas quand je suis avec toi. Attends un peu. Jericho, c'est un bon gros mafieux, pas vrai? Ouais, et après? Non, mais c'est pas un meurtrier. Oh, pitié, il pourrait faire sauter un orphelinat pour $1.50. Non, c'est pas ce que je veux dire. La vengeance, ça coûte du pognon, ça rapporte rien. Pourquoi tu te prends la tête? C'est juste que ça colle pas. Alors t'as qu'à tout m'expliquer. Écoute, je peux pas. Vas-y, mec, j'attends que ça. Écoute, c'est pas... Quoi? Désolé, mais j'entends toujours pas ton explication géniale, John. Hey, fais pas ton connard. Alors maintenant, c'est moi le connard? Tu me fais marrer. Merde. John, quoi? Si c'était aussi... Si c'était aussi quoi? Aussi seulement quoi? C'était aussi simple. Tu ferais quoi? Vas-y, ouais, arrête. Si c'était aussi simple... Tu brasses du vent, John. Tu brasses du vent. Claquer des doigts comme ça. Jones. Oh, shit. Oh, je m'en souviens. C'est quoi ce délire? Oh merde. Jones, la ville. Tout est figé. Oh merde, je perds la boule. Je déraille totalement. Et lui aussi, il est figé, mais plus dans la même position. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que... L'ambulance, c'est la seule chose qui bouge. Quoi? Ah oui. C'est vrai que c'est suspect. Allez, crevé. On continue. Faut que je sorte à tout prix de ce cauchemar. Oh merde! J'avais pas vu. Pardon. Allez. Les sillages. Oh oui. Je colocute cette ambulance pour voir où elle va. Oh là là, Jamis, quand même, c'est pas facile. Suivre cette ambulance. Son sillage me donne de l'énergie. Merde, je me sens faiblir. Je me sens déjà mieux. Oui, moi aussi. Je me sens mieux. Ah, vite, 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 vite. Le sillage. Ah oui, je sais, à un moment, elle va tourner, c'est impossible de la suivre, c'est là. Ok, tu vas réussir.
espère pas, James. Ah, c'est bon. Toi, je te lâcherai pas. C'est complètement dingue, ça. Pete. Ah, c'est bon. Je suis carrément... Ah! Oh fuck! Ah, bon sang! C'était quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde, Ricky! Ce gars... Wow! Ok. Ça change la donne, ça. Maintenant, foiré, on va voir si tu t'échappes. Attendez. Wow! Pleine forme. Ah mais je comprends. Je crois que dans sa tête, pourquoi il suit l'ambulance, parce que j'ai entendu encore Homer de Ricky. Bon sang. Ça a dû être un bug de la première mission, parce que je me souviens du dialogue, ça fait Homer Ricky. Ce gars perd beaucoup de sang. C'est pas malin, ça. Oh, bah les passants aussi se barrent. On va rester comme ça, écoutez. Ah, c'est bon, ça va mieux. Faut encore descendre dans les 80. Allez. Allez. Impossible. Je pète pas les plombs. Oh. Il y a forcément une explication. Waouh. Ah, c'était chaud, hein, les amis. On est marre. Tu brasses du vent comme un bon gros trou de cul. Tu dis des conneries, John. Qu'est-ce que tu fous, là? Encore un truc bizarre à rajouter sur ta liste de trucs bizarres, Jones. D'accord, là, il faut que tu me lâches, mec. Entre le moment, là, où j'ai claqué des doigts, et maintenant, j'étais ailleurs. Je faisais une course contre la mort, dans une version cauchemardesque de San Francisco. Ouais, d'accord, John. Je suis sérieux. Fais chier, John. Soit tu te fous de moi, soit tu t'éclates bien à me foutre les jetons. Je suis sérieux. Écoute, mon vieux, bon, tout ira bien. On va te tirer de là, quoi qu'il arrive. Ouais, merci pour le soutien. Non, je suis sérieux, tu vas t'en sortir. Je sais que tu peux m'entendre. Alors t'en fais pas, tout ira bien. Quoi? Allez, on bouge. Ah ah. On entend le... La radio? Ne vous inquiétez pas, ce que vous entendez en arrière-plan, c'est pas la radio. C'est des petits travaux chez moi. Ok, d'accord. Chier. Hey, Tanner, parle-moi. J'ai rien à dire. Ouais, c'est ça, un truc vient de se passer et ça t'a foutu les jetons. Et vu les trucs qui te foutent les jetons en ce moment, si ce truc te fout les jetons, ah, moi aussi, ça me fout les jetons, mec. Et si je perdais la boule, hein, Jones? Et si tout ça se passait dans ma tête? Allez, arrête. C'est pour ça que tu fais une crise? Laisse-moi te rassurer tout de suite, mon pote. T'as pas changé. Tu conduis toujours comme un malade. Allez, viens. On a un type à coincer. C'est ça. T'as raison. En route. C'est marrant, mais les personnages, vus de loin et de près à la cinématique, c'est pas... Ils ont pas la même gueule. C'est chelou. Nanana. C'est bon, c'est fini. Alors, désolé pour le bruit de fond, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, protéger le fourgon blindé, ça, si ça pète facile.
amis, nous sommes déjà à 20 minutes d'épisode. Donc entre nous, on n'a même pas le temps d'aller au garage s'acheter 2-3 caisses. J'ai juste le temps, hop, de finir dans une phare victorienne. Et hop. Donc entre nous les amis, moi sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine.